Haïtien tout partout réuni sur YouTube, langue tout partout sur TikTok, langue tout partout sur Telegram, langue tout partout Family Group et sur Facebook Teacher Daniel Aneus pour capable apprendre et pratiquer langue qui c'est anglais. I'm really sorry for this week, moi vraiment désolé pour semaine ça parce que nous pas joindre moi, j'ai un problème yeux et m'espérer que puis pas semaine pas trop mal pour nous, nous te joindre vidéo. But we post video every day. Nous poster vidéo chaque jour. C'est même vous faites que je viens de channel long. Bienvenue. Et parce que vous pas regrette le fait que vous faites partie de famille ça. Famille ça, c'est partager, c'est aider, c'est supporter. Uniquement faire partie de famille ça. Langue tout partout. Vous supposez partager vidéo nous yo. Vous supposez like. Vous supposez commenter et toujours dire nous qui vidéo que vous voulez. Parce que l'aime font vidéo moi pas garder ou pas like ou pas commenter tellement sujet ça m'a presque parlé de lire quoi. Parce que c'est pour vidéo même y a fait. Donc restez branché m'a venir connia pour me capable venir présenter vidéo ça qui parler de reflexive pronouns. You know or you hear them, you don't know how to use. Today's class you're going to know how to use them and what they mean. Qui ça yo signifie avec comment pour utiliser, c'est ça qu'on va apprendre dans vidéo ça tout de suite après pause là, pas bouger. I'm coming back. Okay, we're back. My name is Daniel. Welcome to this channel where you are learning to speak English. Pour toi, apprendre à parler anglais, nous libre pour poser questions, pour écrire nous et dire qui vidéo que pour nous faire pour ou même. Okay, reflexive pronouns. Reflexive pronouns. You say reflexive pronouns. 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 Reflexive pronouns. Ça veut dire pronom réfléchi. Okay? Ou non réfléchi. But autant de bails ça en pile, mon ami dit myself, I love myself, etc. Qui ça yo yé? Qui ça veut dire? But qui ça yo yé? C'est reflexive pronoun, c'est des pronoms réfléchis. Okay, myself. In English, what is reflexive pronouns? Qui ça pronom réfléchi yé en anglais? Okay, when you say reflexive pronoun, is when the subject is the same as the object in a sentence. Le sujet a même avec objet a, donc ou utilisons un pronom réfléchi. Par exemple, là, on dit I love myself. Now, myself is a pronoun, a reflexive pronoun. Myself, c'est un pronom réfléchi. Donc, I, myself. C'est que deux pronoms ça yo, lorsque pronom sujet a avec objet a qui c'est myself là, yo vle dit même bagay, laisse a, mon parler, mon utiliser de yon pronom réfléchi. D'accord? Donc, l'aime dit myself, moi-même. Ou l'aime dit I encore, c'est moi-même. Et donc, c'est dans le cas ça, yo, pour nous réfléchir, yo, même, yo, utiliser. Lorsque, ou même, on parle avec tête ou, encore. Ou bien, lui-même, la parle à tête, lui, encore. Etc. I love myself. This is an example. But to understand the pronoun, like reflexive pronouns, pour y comprendre, pour nous réfléchir, yo, ou supposer qu'on est pronom personnel sujet, yo, the subject pronouns. If you'd like to know more about the pronouns like subject, object, and possessive adjective, we have a video on the channel. Nous avons une vidéo sur channel là. Go straight to watch it after, okay, right after watching this video. Après, vous fin garder vidéo ça, allez garder l'autre vidéo qui parlait de pronoms. Okay. So par contre, qui j'en peux utiliser pronoms personnels sujet, une vidéo pour ça, allez garder sur channel. C'est I, you, he, she, it, we, you, they. C'est ça. But for singular, three singular and three plural. C'est trois personnes du singulier et trois personnes du pluriel. Three persons of singular and three persons of plural. Trois personnes du singulier, trois personnes du pluriel. I sont personnes du singulier parce qu'il m'a parlé d'un seul monde. Moi-même, you sont seul monde. He c'est un garçon, she c'est une fille et it lorsque m'a parlé d'une chose ou bien animal. Si vous voulez plus, regardez la vidéo. But the same for the reflexive pronouns. C'est même là qui fait pour pronoms réfléchir. Singulier, c'est myself, yourself, himself, herself, and itself. Itself.
Okay? On dit myself, yourself, himself, herself, itself. Et puis pluriel, you see? Ourselves, yourselves, themselves. Qui ça nous a remarqué? Il y a trois personnes du singulier et trois personnes du pluriel. Good. Okay. The first pronoun for singular is myself. Okay, myself. C'est pas myself, c'est myself. Elle l'a prononcé. Myself. Deuxième nom, c'est yourself. 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 Vous pouvez répéter après, parce que c'est dans le courrier là, apprendre ou apprendre, pour capable bien comprendre. Yourself. Et ça, prononcé comme himself. Him, pour contre lui, il c'est pronom d'objet. Him, pour contre lui. Soit regarde l'autre vidéo, à comprendre. Him. Donc, mettre self là-dedans, il c'est un pronom réfléchi. Now I have himself. Her, pour contre lui, c'est son pronom d'objet tout. Donc, mettre self là-dedans, il fait herself, il son pronom réfléchi. It, même genre tout, son pronom d'objet, eh bien, il fait itself. Good. Pronom pluriel, il c'est our, qui sont adjectifs possessifs, vous mettez avec selves, il fait ourselves, ourselves. And then, we got yourselves, au pluriel là, and themselves. Okay, how can you make the difference between singular and plural when talking about reflexive pronouns? Qui l'aime capable d'établir différence dans writing, I'm talking, dans écriture, différence entre pronoms réfléchis, singulier et pluriel. For the singular, they end by F. You termine par F. Ou dit myself. You termine par F. Yourself. Et puis himself. Ensuite, moi gagne. Herself, itself, qui fait partie de troisième personne du singulier. But for the plural, you change F and V-E-S. C'est le même magala when you were talking about plural nouns. Like if I say one wife, you say two wives. Ou madame. De madame, donc wife, t'es terminé par F-E, et bien on va changer en V-E-S. En anglais, le mot terminé par F ou bien F-E, on mette le pluriel ou changer en V-E-S. OK? Like si m'a dit knife, qui signifie couteau, le m'a dit couteau au pluriel, m'a dit knives. Donc, il y a une vidéo qui parlait de pluriel des noms, moi-même personnellement. Go to watch it right after this video. Après vidéo, ça a regardé. So, tout pluriel yo a terminé par VES. M'a dit ourselves. Faut prêter pile attention pour pas faire yo nan yourselves avec yourself. Yourself là, on parle d'un seul monde, yourselves c'est là on parle à deux monde ou bien plus monde. And themselves. Themselves. But quand yo sorti, mine c'est adjectif possessif like my marker, my fans, my video. My channel, okay? My people, my children, my. Ou met sa devant non. Donc, yo pren myself la, yo pren my la nan adjectif possessif yo. Et puis your, yourself la, yo pren your la nan adjectif possessif yo. What's your name? Your sou adjectif possessif. Donc, le au contre your avec self, li vin fon pronom réfléchi. Yourself. Et là, yo pa pren himself là dans adjectif possessif yo yo prend le pronom complément yo object pronouns yo prend him li vin faire himself. OK, yo pa dit his self si t'ap prend tout dans adjectif possessif ou t'ap dit his self pour garçon non mais yo dit himself yo prend dans objet et puis là yo dit herself li capable sortir des deux côtés li capable sortir dans objet dans complément li capable sortir dans adjectif possessif parce que tous les deux c'est her. And itself, il est capable de sortir des deux côtés tout. Okay? Il est plus semblé avec object pronoun. C'est juste pour montrer nous comment nous capable, how you can identify them. Comment on capable identifier yo. Good. Now, I say itself. Là, yo prenne l'adjectif possessif encore. Our signifie not. When you possess something, le posséder un bagage. Or, when we possess something, le nous posséder un bagage. Our, not. Our course, pour nous. Our teacher, professeur nous. OK? You say ourselves. Et yo prend your la même yo ça encore, dans adjectif possessif. But yo prend ça à lui-même dans complément. OK? Object pronoun. Yo ta supposé dire their selves,
yo pa di the self, yo pa pren nan adjectif possessif, yo pren nan complément. Si vous voulez comprendre bien ça m'a dit ya, al gade vidéo sou pronom yo sou channel la. Good. Ça veut dire yo vin gen pluriel yo ourselves, yourself, themselves. All right, good. Themselves. And now, how can you use the reflexive pronouns? Ki jwenn kapab utilize pronom réfléchi yo? Ou utilize pronom réfléchi yo? Let me say that. One, when subject and object are same, le sujet avec complément même j'aime te dire là, I love myself. Sujet et complément c'est même bagaille. Pour utiliser pronom réfléchi, you use the reflexive pronouns when the subject and the object are same. For example, I cut myself. C'est I qui cut, mais lorsque moi-même moi blessé tête, moi coupé tête, moi, dis I cut myself. Là me dit coupé tête, moi pas ça non. Non non, ça veut dire moi blessé tête, moi blessé même mon partie dans corps. I cut myself. Oh, why do you cut yourself? Ou ki sa ou coupé tête? Ça on dit genre drôle. Donc là dit ça, il pas spécifié en créole. I cut myself. But you understand what I mean. You can use reflexive pronouns with some verbs like introduce. You say introduce yourself. Pas dit capable utiliser, c'est pas tout verbe que capable utiliser, but ou capable utiliser un verbe ça. Okay. I introduce myself. I blame myself, mwen blame tèt mwen. I teach myself, I cut myself, or I enjoy myself. Mwen tade moun ap di, oh please, let me enjoy myself. S'il vous plaît, ba mwen amuse tèt mwen. Okay, so you use reflexive pronouns, firstly, when the subject and the object are same. Good. Mwen se ou clear la, oui? Dim non se ou clear. Tell me if you're clear, if everything is okay for you. Because I'm working, I'm just working for you. But I'd like to know if everything is fine now. Good. If everything is not fine, go down below. Si yon fa nan fason ko ka communiquer avec moi, allez en bas, écris dans commentaire, dis mais qui ça pas comprendre. Good. Okay, the second way you can use reflexive pronouns is when you have a preposition. A preposition as object. Lorsque on a en préposition comme complément. Okay? Like you say, you never talk about. About is a preposition. The preposition about comes after the verb. C'est comme si il vient jouer le complément là. Before adding yourself. Ou capable gagner une préposition. You never talk about yourself. Ou capable utiliser la avec une préposition. You never talk about yourself. But the famous preposition people use very often with reflexive pronouns is by. Preposition que moun yo utilise en pile avec pronom réfléchi yo c'est by. Okay, I do it by myself. Moi fait pour compte moi. Like, do you enjoy being by yourself? Est-ce qu'on remet rester pour compte ou bien est-ce qu'on remet pour compte? Oui, moi remet pour compte moi, là pour compte moi réfléchir, bla bla bla. Do you enjoy being by yourself? By yourself. By is a preposition. Good. And the last is please. Take care of yourself. Take care of. Of is a preposition. Use reflexive pronouns when you have a preposition as object. Like this, this, and this. Good. And some verbs you can use with preposition. Like you can say the verb to take care of, the verb to pay for, the verb to talk to. Let me talk to myself. Okay? Okay, please talk to yourself. Ou utilise deuxième là avec des verbes qui tout marcher avec préposition yo. Okay, good. But m'passe au clair, oui? I think you're clear. Firstly, you use reflexive pronouns when the subject and the object are same. Le objet et sujet est même. Secondly, you can use with a preposition when the preposition is object and a sentence before adding reflexive pronoun. Okay, you can use it. Now, let's practice some sentences. For example, I cut myself when I was preparing dinner last night. I don't have enough space. I cut myself. Cut is the past tense. Moi, t'es blessé tête moi, coupé tête moi, l'aime de préparer dîner. I cut myself when I was preparing dinner, even though I don't put the rest of the sentence when I was preparing dinner. I cut myself. Donc là, moi, utiliser I cut myself because I use subject I say I cut. Ça veut dire sujet toujours marcher avec ça.
pour pour nous réfléchir, c'est que sujet a uniquement le marcher avec pronom réfléchi qui exactement correspond avec sujet. Par exemple, I correspond avec my, moi-même. OK? Say I, my, you, a macha, your, etc. I caught myself. He usually goes on holiday by himself. Il est toujours allé en vacances pour compte lui. Ouais, lorsque il utilise he, il a parlé d'un garçon, ben il utilise un pronom réfléchi qui c'est himself. Deuxièmement, the second one is she looks at herself. She looks at herself. She looks at, troisième personne, looks at, she looks at herself. Li gade tête li. Where can she looks at herself? Ki kote li ka gade tête li? You say, we looked at ourselves in the mirror. A di, nous, ourselves. Nous te gade tête nous nan miwa. Ok? We looked at. Nous te gade. Looked. Ça veut dire aider à bon son. We looked at ourselves in the mirror. Toujours éviter pour ne pas faire erreur, on va utiliser ça. On dit pluriel, faut que vous utilisez ça qui gagne VES. And do you enjoy being by yourselves? The same sentence I used. Même phrase que j'ai utilisé. So to use this. And the last sentence is they bought a new TV themselves. They bought a new TV themselves. You t'es acheté un nouveau télévision pour compte. OK. My child opened the window herself. My daughter opens the window herself. Petite fille nan ouvri fenêtre la pour compte lui. When you do something yourself, you can say by myself or myself. OK. So I shoot this video myself. Moi shooter vidéo ça pour compte moi. C'est pour compte moi là. OK, I shoot this video myself. Jusqu'à venir devant caméra et puis me filmer tête moi. I shoot this video myself. Or I can say by myself. I shoot this video by myself. Great. But don't forget, ça m'a dit like same, it's extremely important. Listen to it carefully. Please listen. When you have a subject pronoun, okay, I, you, exactly, you see it's normal to use a reflexive pronoun. A suitable reflexive pronoun. Li normal wap wè ke li normal pou utilize yon pronom réfléchi ki mache avec pronom personnel sujet. But if they don't use a subject pronoun, they use a noun that replaces a noun. Est-ce qu'on y a yon utilise non phrase, yon utilise yon nom au lieu que yon utilise un pronom comme sujet. Par exemple, si yon dit Daniel, et puis yon dit loves, where can I write it? For example, if I say Daniel loves, okay, himself. Gan pil moun kap tombe paske yo pa wè sujet, yo wè Daniel. Mais c'est même bagay la. Remplace Daniel pour un pronom personnel sujet, la vin by he. Donc si Daniel c'est he, automatiquement pronom réfléchi avec la vin by himself. Donc évitez ça si gen exercice. On va venir avec exercice pour là, pour nous là, pas inquiéto, on va venir avec exercice tout suite après pour ça. Mais j'espère que ça a été fort plaisir, vous avez appris un pile bagarre, a lot of things in it. Let me know if you love it. Fais-moi connaître sur Remen, fais-moi connaître si vous bagarre pas bien comprendre et puis ensuite commenter si vous bagarre que pas ajouter pour attirer attention ni moi-même ni l'autre monde qui a regardé vidéo qui a suivi channel là. I love you so much. Head down. Mais c'était chapeau bien bas devant and I respect because you're learning and you love learning on this channel. Ou aimer apprendre sur channel ça. I'm coming back. Ma vini kounya pou exercice sous vidéo ça.